Que veux-tu faire dans la vie ? Aucune idée ? Il existe pourtant plein de possibilités. C'est vrai, ce n'est pas évident de passer des études au marché du travail. Mais il suffit de savoir où et comment chercher pour bien commencer. Tu es peut-être comme Peter. Son histoire ? Il avait 16 ans quand il a commencé à chercher du travail dans son pays. Ce qu'il lui fallait, c'était des informations, des conseils, des possibilités de formation et un contact avec des employeurs. Alors, il a décidé de s'adresser à des agences de recrutement privées et à des services publics de l'emploi. Effectivement, les services publics de l'emploi sont très utiles si tu cherches une aide en ligne, par téléphone ou dans un bureau, parce que le réseau compte plus de 5000 bureaux dans 31 pays européens. Ils ont aussi des conseillers EURES qui peuvent t'aider si tu souhaites travailler dans un autre pays européen. Dans ce cas, tu ressembles plus à Gabriella, qui, à 18 ans, a décidé de travailler à l'étranger. Le projet Ton premier emploi EURES lui convenait parfaitement, puisqu'il aide les jeunes à trouver un emploi en Europe. Il propose aux candidats des offres d'emploi qui leur correspondent dans des entreprises à l'étranger. Il les aide à rédiger leur CV, les conseils pour les interviews, etc. Il peut même financer une partie de tes coûts de transport si tu dois te rendre dans un autre pays pour un entretien ou pour y travailler. L'idée de bosser pour un patron toute ta vie ne te plaît pas ? Alors tu ressembles plutôt à Sarah, qui se voyait déjà à 17 ans comme une entrepreneuse et avait des idées géniales pour son entreprise. Elle voulait d'abord acquérir des connaissances et une expérience sur le terrain en travaillant pour une PME, une petite et moyenne entreprise, en guise de tremplin pour le futur lancement de son entreprise. Sarah a appris l'existence de programmes très intéressants dans son pays, qui existent également à l'échelle européenne. Ils offrent toutes sortes d'aides, comme un contact avec des employeurs potentiels et des possibilités de financement telles que la microfinance. Mais revenons-en à toi. Es-tu plus enthousiaste en voyant toutes les possibilités qui s'offrent à toi ? Excellent, parce que le marché de l'emploi en Europe a vraiment besoin de tes compétences, de tes idées et de ton énergie, quel que soit ton parcours, ton expérience ou ta formation. Alors n'hésite pas, fais tes premiers pas vers ton avenir. Ton premier emploi est plus près que tu ne le crois.